exposition inaugure un cycle qui sera dédié aux collectionneurs, aux amateurs d'art décoratif et de design qui ont des très belles collections avec des choses vraiment importantes mais qui ne sont pas accessibles au public. Alors, ce qui nous intéresse, si on démarre ce cycle aujourd'hui, c'est parce que d'une part, on trouve intéressant de juxtaposer une démarche qui est celle d'un collectionneur particulier, une démarche libre, avec la démarche muséale, institutionnelle de collectionneur. Et puis d'autre part, on a toujours un tel plaisir, nous, à découvrir ces très belles collections chez des amateurs qu'on souhaite, quand c'est possible, les ouvrir et les faire partager au public bordelais. Donc, c'est avec l'exposition de la collection du que nous inaugurons ce cycle. Alors, c'est une collection très large qui démarre avec des pièces de la Renaissance et qui va jusqu'au 19e siècle et qui parcourt toute l'Europe avec évidemment, je dis évidemment parce que quand il s'agit de verre c'est souvent le cas, un très très fort noyau, un très fort ensemble de verre vénitien et façon de Venise, puisque Venise a vraiment été le moteur en termes de modèle. Ces verres qu'on appelle façon de Venise, c'est-à-dire que c'était des prototypes faits en Europe mais très souvent par des artisans qui venaient de Venise ou qui venaient d'Alta, une ville de Ligurie qui avait des artisans qui eux circulaient et donc qui ont emporté un peu les savoir-faire, les modèles dans toute l'Europe. Donc on retrouve en Angleterre, en Allemagne, en Bohême, en Espagne, en France, des verres façon de Venise. Peut-être plus rustique, un ensemble de pièces qu'on dit de grésigne dues à la localisation. Cette attribution reste à confirmer par les scientifiques, mais c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Voilà, on a des pièces assez diverses finalement. On a une gourde de pèlerin aussi, qui est une pièce importante, qu'on appelle gourde de pèlerin. On ne sait pas très bien si c'est la gourde que portaient les pèlerins, ça pourrait parce qu'il y a un montage et puis elle est un peu plate, ou si c'est la gourde dans laquelle les pèlerins mettaient de l'eau bénite pour apporter cette eau bénite. En tout cas, on les appelle aujourd'hui, on appelle cette typologie gourde de pèlerin. Il y a aussi une très belle aiguière bleue avec une sorte de motif de résille, un bleu très dense. Qui est une très très belle pièce, une petite aiguère qui doit être à peu près grande comme ça, qui est une pièce d'autant plus exceptionnelle dans la collection qu'en fait elle a eu un accident. Monsieur Duménil a malheureusement eu un accident avec elle. La lance a été cassée et il l'a fait restaurer par Darasp, qui est un des très grands orfèvres bordelais et qui a donc greffé en fait une anse nouvelle, transformant un petit peu l'objet. Donc c'est un objet intéressant et voilà, qui a une nouvelle vie aujourd'hui. Une autre des très belles pièces, alors ça c'est une aiguère cette fois-ci très monumentale, qui est une pièce anglaise, qui est une pièce assez exceptionnelle, parce que quand Monsieur Duménil l'a découverte dans une vente aux enchères, on sentait que c'était une belle pièce par ses proportions exceptionnelles, on voyait la gravure, mais en fait on devinait à peine la gravure parce qu'elle était cachée par un voile. Alors là, voilà, comment on aurait fait nous? Est-ce qu'un musée aurait pris le risque d'acheter une pièce comme ça? Non, sûrement pas. En fait, Monsieur Duménil, lui, a fait une sorte de pari. Il a acheté cette pièce et il l'a confiée à des restaurateurs qui ont imaginé des techniques pour récupérer toute la beauté, la pureté, la transparence du verre, de manière à ce qu'on voit toute la gravure qui est très exceptionnelle. Et le pari a été gagné. Le collectionneur a tenu à faire l'emballage et le transport lui-même. On n'a pas pris une équipe externe au musée. Donc, comme je le connaissais bien, nous avons travaillé ensemble. Le musée avait ses boîtes qu'on a aménagées avec Joséphine avec de la mousse. Et on a emballé les verres le plus simplement possible avec du papier bu, éventuellement du papier de soie. Et on a transporté dans sa voiture tous ces contenants au musée. Hier, on a commencé, aujourd'hui, on les déballe sur une table aménagée avec de la mousse pour éviter les chocs et on les replace dans les vitrines selon le plan qui a été déterminé par Madame Rubini, qui est commissaire d'exposition, et Jean-Luc Olivier. Le verre est une matière excessivement fragile, donc il faut avoir des gestes simples, très coordonnés. Ne pas trembler, et ce qui est très rassurant, en tout cas en haut, c'est de le poser sur du bois.
en bas sur du verre, c'est beaucoup plus délicat parce que le moindre choc peut faire un éclat ou un fel. À chaque fois qu'on déballe le verre, on regarde s'il y a des dégradations, hein, si les verres ont bien voyagé, bien évidemment, et on prend des photographies quand on remarque qu'il y a eu un petit éclat ou un fel, etc. Et puis on remplit une fiche, on appelle un constat d'état pour voilà, laisser une trace et savoir si le verre a bien supporté ou pas le voyage. Donc la scénographie de l'exposition repose sur, on va dire, deux grands principes. Un des principes, c'est, en accueillant la collection de Philippe Duménil au Musée des Arts Décoratifs, c'est d'essayer de comprendre aussi ce que c'est qu'une collection et comment elle se fabrique. Et donc il y a plusieurs points de vue. Un des aspects du travail de l'espace est qu'on a construit avec un point de vue du prince, c'est-à-dire un endroit dans l'espace de l'exposition où on perçoit tous les verres d'un coup. Donc je vous laisse découvrir où est ce point dans l'espace de l'expo. Et là, on comprend tout. Après, au fur et à mesure qu'on pénètre dans l'espace, on va avoir des petites alcôves qui vont présenter chacun des groupes et des typologies de verres qui sont regroupés par forme, par couleur, par époque. Voilà, donc il y a vraiment ces deux temps. D'abord, on voit tout. Et puis après, on détaille et on précise chacun des groupes. Alors, il y a une deuxième partie dans l'exposition qui est le rez-de-chaussée où c'est une présentation plus didactique, on va dire, où on explique davantage les techniques et les procédés de fabrication des objets. Et là, c'est une présentation alors peut-être plus qui évoque, en tout cas peut-être de façon un peu contemporaine ou plus libre, mais les armoires bordelaises qui étaient des armoires de présentation. Et donc là, on fait le lien avec les arts décoratifs et le lien avec la région.